Allez, c'est parti. Ah, c'est parti. Bon. Je passe un tout petit mot. Ah oui, allez-y. Avant tout, pour dire qu'on est plus qu'extrêmement contents ce soir. On est presque toute l'équipe du comptoir des mots ici et on est très 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 heureux de recevoir notre client préféré. Celui qui fait le sel de notre métier, celui qu'on voit toujours apparaître. C'est un très très grand plaisir parce que c'est toujours la promesse de moments plutôt animés et rigolos. Voilà, donc Jean Gruau, je pense que client du comptoir des mots, c'est vraiment ce qui vient en dernier dans sa biographie. Vous le connaissez peut-être déjà. Donc Jean Gruau, écrivain, scénariste. Scénariste de Jean Truffaut. Bon, je suis très émue en fait, parce que vraiment ça nous fait super plaisir. De François Truffaut, de René, de Rivette, de Godard, et de Chantal Akerman aussi. Voilà, donc une longue carrière de scénariste. Et maintenant producteur d'un documentaire. Un film couronné l'année dernière par le Léopard d'Or. De Locarno, donc un film qui s'appelle Mafrosa, dont la réalisatrice et auteur est là ce soir. Parmi nous. Et elle s'appelle Emmanuel. On l'entend toujours sous le nom d'Emmanuel dans la voix de Jean. Donc, de Maurice. Emmanuel de Maurice, bien sûr. Voilà, donc Mafrosa, vous avez. Mafrosa qui sort en salle. Le 15 juin. Le 15 juin. À Paris. Le 15 juin, Saint-André-des-Arts, Lincoln, MK2 Beaubourg, des séances spéciales, Le Méliès, des séances spéciales, et diverses salles. Diverses salles en province. Voilà. Ils sont en plusieurs morceaux, c'est ça? Comment ils passent en plusieurs morceaux? Le Méliès est un montre. Le Méliès est un montre. Alors, Je ne connais pas le Méliès. Peut-être Mafrosa, on en parlera dans une deuxième partie. On l'a invité, on a saisi l'occasion de l'inviter avec la parution de ce scénario, alors scénario inédit et scénario jamais tourné, oui. Qui avait été en chantier. C'est un peu ce que vous dites, que c'est un état comme ça. Oui, bah, je vais l'expliquer. Je vous le montre et puis je vous laisse présenter ça.